Eh bien, écoutez, la société, chaque jour, barrière fait fermer. La République dominicaine perdu entre 2,7 à 3 millions de dollars américains chaque jour. Actuellement, là, tout produit commence à monter tête nègre. Et marchand Gregentiba, il commence à monter, ou même il a fait marché noir qui. Oui, un paquet de produits là, il a monté un paquet d'argent en Haïti. Parce que c'est la République dominicaine qu'on a acheté. Donc, marchand en Haïti commence à faire marché noir. Face à ce qui a privé là, côté que Luis Abinadel, monsieur Campé Tem face, pour continuer à fermer frontières, si nous avons pensé penser pays, le monsieur décide de l'ouvrir là, nous avons fermé pas nous. C'est vrai que, parce que nous sommes un petit pays, nous avons pris responsabilité. Le barrière a fermé, je viens de gampir là, il s'est plein. Mais bon, je dis un petit bagaille. En termes de entrée, en termes de matière économique, nous n'avons pas perdu, non? Chaque jour, barrière, attendez ça, pays, à la société, attendez bien. Et nous te ouais ça déjà. Nous songez des images que nous te montré nous là. Et ça, c'est pas qu'à passer quelque temps, oui. Chaque fois que barrière ferme, son quantité mange qu'à gaspiller, oui. Dans barrière. La société, chaque jour barrière fait ferme. La République dominicaine perdu entre 2,7 à 3 millions de dollars américains chaque jour. Tenez bien, mais bon, tout n'est pas ça. Chaque jour, barrière fermé la société. La République dominicaine perdu environ. Bon, entendez Dominique qui dit plus que 3 millions de dollars. Et pas millions, plus que 3 millions de dollars chaque jour. Parce que ça n'est pas comprendre. D'ailleurs, c'est ça qui fait créer conditions pour nous pauvres dans l'état ça. Yo créé conditions pour gang yo multiplier. Côté bal yo sorti. Allemand de 400 maos au lamo 100 jours. Côté le jeune cartouche acheté. Et bah avant, yon d'ap parler de Dominique ça. Qui c'est patron boss. Qui c'est boss 400 maos. Que collègue te assassine un jeune petit garçon. Te chauffeur en Dominique. Choupi. Qui c'est patron 400 maos. Allemand de 400 maos. Zam yo. Cartouche yo. Côté le jeune yo. Et puis. Yot, ou pas remarquer Luis Abinadel, monsieur parle plus sous affaire gang en Haïti. Tendez bien, ou pas remarquer monsieur parle plus sous affaire gang en Haïti. Et chaque discours monsieur a fait, premier salaire aller comme référence gang yo. Pour qui ça? Ça intéresse le comme ça. On dit que gang yo parle en merde monsieur. Pour qui ça? Ça intéresse le. Il compte ça la parler. Ça dit, yo créé condition pour nous état ça. Kounya nous pas qu'à faire la kay nous. Va nous reposer sur yo. L'école nous va fonctionner, si moun yo obligé à l'école la kayo. Qui est-ce qui joue tout moyen, tout entrée yo, yo même? Ça dit haïtien important pour Dominicain. Parce que soit le garde jodi à la université yo en République Dominicaine, quantité haïtien qui la dan yo, pas gratis yo la dan yo. C'est pas gratis. C'est l'argent yo a rentré. Luis Abinadel en particulier, li mange comme un pile haïtien. Parce qu'il y a une université tout. Il y a une entreprise. Ça dit, il compte importance haïtien au gain pour lui. En matière économique. Ça dit, on frontière cap coup qui rapporte plus par ces 3 millions de dollars américains chaque jour. Et pour faire intéressant, qu'on y a au point que, eh bien, ministre agriculture là, lui oblige qu'on y a ministre commerce. Yo obligé dit que face à situation de paraître grave et quantité haïtien qui quitté République dominicaine volontairement qui rentre Haïti, yo estimé qu'on a cherché d'autres partenaires, yo a cherché l'autre marché pour qu'a faire écouler produit yo. Ou moi même haïtien, si me dégue moun qui penser pour nous. C'est moment MT dit ça avant hier, c'était une consultation gratis lité. Bon à un moment ça, bon dou. Kou nou a dit sauve de moi là, dans partie ça m'a dit là. Da tout moun konnen ban Ariel. Parce que m'dou Ariel c'est premier chef de gang qui nan pays là. Da vite l'homme confirmé déjà. Mais moi même moment ça c'est pas moment manifestation contre Ariel lié. Sérieusement. Ouais moment ça si Ariel te vle fon bagay te sérieux, c'est moment pour Ariel te plus ou moins font ti paraître tête li là. Au lieu qu'il te se kidnap fait pour né de canal là,
l'État haïtien te doit prendre canal là en charge. Et le finil. Mais il pas capable. Il n'est pas capable parce que Ariel Henry pas mettre tête li. Et moi j'ai l'impression Luis Abinadel compte trop bagay sur Ariel Henry. Monsieur obligé mettre le petit devant Luis Abinadel. C'est gros bagay qui a passé là. Parce que sinon, on réponse que nous décabaye, monsieur. Pour l'apprendre à respecter haïtien. La société, écoutez, Dominique a souffri. Il y a pile pression qui a baillé là, sous pouvoir. Mais, haïtien tout a souffri quelque part. Parce que, ça se passe, nous pas jamais gain provision. Nous pas fait préparation. Nous pas anticiper sous bagayo. Kounia, imaginez, quantité haïtien te quitte Haïti pour faire pas bon. Kounia qui oblige retourner en Haïti pour venir faire qui ça. C'est moment idéal pour nous relancer, pour nous lancer campagne nationale agriculture. Si nous ne faisons pas ça, campagne nationale agricole, si nous ne faisons pas ça, après 5 mois, après 1 an, nous avons saisi les gens qui ont mangé les gens dans le pays à grand jour. Et pour Mme Abdoula, nous avons saisi les gens qui ont dévoré les gens grand jour. Kounia Ariel paie sanction Luis Abinadel. Il va parler dans dossier ça, il va parler là-dedans. Tout petit agribay nous oblige de traverser frontière pour aller acheter caille voisin alors que nous t'ai produire la caille nous. M'a regardé quelques patates, il y a voyé bon moi là qui produit à terre là. Non laps de temps. Mais gros ces boule patate yo. Là dans mon cabrit, boule patate oui, belle patate. Combien de temps patate prend pour le brun? Pour le poule bon? C'est pas 3-4 mois patate là bon? Combien de mois? Et pas 3-4 mois? Plus de temps patate prend en terre, 5-6 mois, et pas ça? Ça veut dire que moment ça, la société, c'est ça te fait. C'est moment pour nous tout lancer campagne agricole nationale là. Pour nous planter. Suspendre la vente nous sous compte étranger. Côté de l'eau, dans cette zone, dans le sud, dans le grand sud pays là. Bon série de vaste cap gaspillé. Agronome yo, c'est pas moment n'a chita des bureaux. Pays a en danger, la patrie menacée. Mettez pieds noirs à terre. 5 mois patate la prend. Mettez pieds noirs à terre la société. Maï 3 mois. Gon paquet maï qui prend qui fait 2 mois et demi, 3 mois dans terre. Tenez bien. Commencez planter citron parce que gen panne citron dans Port-au-Prince pour l'instant. Cherchez terre, planter citron. Patate, manioc, pois, gon paquet de pois qui va prendre pile temps pour yon prendre, pour yon bon. Agronome yo, fait même j'ai avec Agronome Robinson. Pachita, pachita des bureaux, descend à terre, al former paysan yo, pour aider yo. C'est moment idéal pour lancer campagne nationale agricole là. Songez, t'es dit ça. Parce que, métis, où est Dominique qui est là plein? Et pas de plein, Micha plein là. Non, comme la fin de ta don ti plein dans bouche, monsieur. Et pas de plein, Micha plein. Non, côté mouche. Micha plein, côté mouche. Respectez nous. Mais les imaginez un dialogue en cours. Il y a des délégations qui ont rencontré. Donc, il y a dialogué. Ou décidé, ou faire une frontière. Ou décidé, ou annoncer pas de dialogue tout le canal. Pas campé. Ou faire une frontière. Ou camper, j'en campé maintenant. Ou camper nous-mêmes, tout le monde, pour nous camper. Monsieur, dérespectez nous, faut nous dérespecter le tout. En guise. C'est pas fréquent, on s'en fréquent, ça. Nous déjà gagné. Non, parce que nous sommes là, ils comprennent les positions de force, comme si ils doivent pour le faire sale avec nous. Avant, ambassadeur, comme il était souligné, je me dis ça, m'a dit. Alors, il était dans la tête, moi, depuis avant, hier, mais gros, dit que je te rappelle, moi, encore. Ouais, ça n'a fait là, nous sommes pour gagner une bataille là, à Wanamet. En clair, en clair. Dit, population Wanamet, nous sommes pour remporter bataille là. Correct. Mais nous connaissons. Nous fait peur, nous fait peur. Justement. À la Dominicaine. Yeah. Dans la République Dominicaine, il y a un paquet de xénophobes, il y a un paquet de racistes, il y a un paquet de xénophobes, il y a un paquet de haïtiens. Mais il y a un moyen. Oui. Mais qui est en vaille? Faut le verrer après victoire ça pour parler empoisonner ce bout de parti qui a rentré sous sol. T'as l'air tel fort. Sous sol haïtien. Faut le verrer ça a eu. Si bout de parti de l'eau qui a rentré sous sol, faut le verrer ça. Parce que, ouais. Une bagage d'eau pour permettre nous c'est irrigation pour permettre nous à renforcer l'agriculture au niveau de la plaine et Marbaro
faut nous veiller pour ne pas perdre tout ça n'a gagné comme culture ou bien comme plantation. On dit merci galette. On dit dit merci. Politicien bluffé à Bolotchi. Ah, à l'aise. T'as fait une paix comme dans le pays. Je suis dans le pays chaque week-end. Je suis dans le pays. 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 C'est tout intérêt ça qui fait monsieur Kakampé pour traiter haïtien. J'ai la traité de là. Donc c'est nous paquet pile politicien bluffé à Bolotchi. Il a fait comme dans le pays. Nous t'essayons de domaine chaque week-end. Elle prend plaisir. Fait comme, bâti caille, acheter là, acheter son paquet, faire business. Fait tout à fait au l'autre bord. Chaque week-end, c'est là où on était. Donc c'est pas là. J'aime qu'à faire fréquenter ça si tout intérêt ça ou pas l'autre bois. Après Jodia, c'est nous-mêmes politiciens. Jodia, ça qu'a fait là, monsieur, c'était que est-ce qu'on figure nous finalement, nous disons nous sommes haïtiens. Pour nous apprendre, pour nous défendre l'intérêt pays ça. Pour nous apprendre, pour nous défendre, c'est nous sommes haïtiens. Ils ne peuvent pas respecter nous tout autant, nous-mêmes, tout nous ne pas respecter peut-être pas nous. Appel payé pour l'ancien sénateur Rudolphe Boulos. Appel payé pour l'ancien sénateur Rudolphe Boulos. Tout ancien sénateur dans Nord-Est a parlé. Qui ça qu'il faut pas parler? Est-ce que c'est parce que vous gagnez Zamitaï ou avec Abinader ou ces petits pays là ou formés ici en Haïti? Rudolphe Boulos, ancien sénateur du Nord-Est, appel payé pour vous. Nous besoin qu'on position comme ancien sénateur du Nord-Est, même là, vous êtes couru derrière dans le Sénat, mais quand même, ou toujours qu'on baille position. Ancien sénateur Rudolphe Boulos, ancien sénateur Joisil. Rudolphe Joisil. Rudolphe Joisil. Ancien sénateur Rudolphe Joisil. Ancien sénateur Rudolphe Boulos. L'entrepreneur Réginald Boulos. L'entrepreneur Réginald Boulos. L'ancien sénateur Rudolphe Boulos. Vous avez vos mots à dire dans le cadre de ce dossier, puisque vous avez été sénateur. Ou gagné élection, vous crasé élection dans mon, ou gagné élection pendant trois fois. Avec vous populaire dans Wanamet, ou populaire dans Nord-Est. Rudolphe Boulos. Le terrier rouge. Rudolphe Boulos. N'attends-nous. Non, vous interpellez, monsieur. Oui. 38-89-95. Ils ont eu un classement avec ça. Vous interpellez parce que. Allez-y, allez-y, allez-y. Et vous interpellez parce que il était joué de vote, mon Wanamet. All right. Yes. Ce vote-là, c'était bien une légitimité. Correct. Et c'est normal que vous avez interpellé. Interpellé, oui. Mais ce n'est pas même bagarre avec Réginald. Réginald. Réginald Boulos, son businessman, c'est maintenant Nord-Est. Même quand, si vous voulez Réginald Boulos, vous voyez tout nègre qui est businessman ici. Non, non, pas tout nègre. C'est-à-dire que nous voulons parler comme si l'homme dit Réginald, parce que Réginald Boulos, c'est un entrepreneur. Mais c'est ça que nous. Son entrepreneur. Sous elle, ou après elle, tout entrepreneur. Donc c'est ça. Non, je ne vais pas le mélanger. Ah, ok, ok, ok. Donc, dans le côté, le. Oui, mais je vois tout. Boulos, okay. Voilà, là où bon. Mais on pas qu'à mettre. Je vais mettre Réginald pendant ça. Ok, Réginald pendant ça. Ok, Réginald, vous mettez vous-même. Vous pouvez venir. Vous pouvez mettre en ligne. Rudolphe Boulos. Rudolphe Boulos. Ok, Rudolphe Boulos. Vous êtes ancien sénateur. Dans le Nord-Est, vous êtes bénéficié de votre mounio. Donc, maintenant, vous n'avez pas besoin. Donc, Réginal, ou même, vous mettez sous côté. Ou même, l'un après les bails politiques, là, on va venir. Et Joisil, sénateur Joisil. Et Rudolphe Joisil. Ou même, Rudolphe Joisil. N'a pas l'air toute tête. Et alors, ambassadeur Dovillier. Et bonjour, où sont matin débat? Bonjour, monsieur. Bonjour, nous tous qui sont panel là. Et même salut tout le monde qui a écouté l'émission. C'est un plaisir, vous m'avez avec nous matin. Alors, c'est docteur, docteur Fritz Dovillier, passé de présentation, professeur et à l'université. Et conférencier, et qui ça m'a dit encore, m'a connaît, et ancien consul, ancien consul, ancien consul, et ancien consul, et à Montréal. C'est que c'est professeur d'université depuis 20 ans, plus de 20 ans. Comment? C'est professeur d'université depuis plus de 20 ans, essentiel. Depuis plus de 20 ans, d'accord. Et professeur Dorvilliers, on allait exactement, et Gondo, c'est qui a. Après là, il était là et il y a un mot pour vous dire parce que vous êtes un spécialiste dans la question de droit international, dans la question de relations internationales et position pour par rapport avec ça qui a passé là. Non, mais position, ça fait que nous comprenons tel fort. Moi-même, si nous avons commencé l'émission, bon, même que nous n'avons pas passé la musique pour moi avant, nous avons passé pour moi après. Nous avons passé le carnaval Koudjaï 2009, moins, nous avons tant mieux.
C'est ce carnaval ça pour nous passer pour moi après, pour nous être capable de faire des journées en bien. Parce que la population retendait carnaval Koudjaël. En gros, carnaval était fait en 2000, en 2000, n'attend mieux. C'est-à-dire que oui, République dominicaine pas respecté la charte des Nations Unies. Le gouvernement dominicain est un gouvernement lâche, discriminatoire. C'est pas parce qu'il n'a pas respecté le droit international, non, il n'a pas respecté nous le discriminant. Or, dans le préambule même, dans le préambule, charte 1945, là, 26 juin 1946, là, il y établit ce qu'on appelle l'égalité souveraine. Tout État, tout le monde, toute femme, depuis c'est mon nom, tout le monde égal à tout le monde. Nations Unies reconnaître que tout État, grand ou petit, toute nation, grande ou petite, sont égales. Mm-hmm. Donc, République dominicaine ne pas reconnaître ce principe-là, parce qu'en plus, il agit, il ne peut pas agir comme ça avec l'autre État. S'il ne peut pas agir, il ne peut pas agir avec nous, avec arrogance, avec fréquence, avec iniquité. Avec méchanceté, il ne va pas agir comme ça avec l'autre l'État, c'est que ils ont posture de discrimination, on posture que la charte des Nations Unies interdit. Parce qu'on l'État supposé qu'il y a considération d'égal envers l'autre l'État. Même considération République dominicaine en droit, je parle en droit international. Public, même considération République dominicaine de Guyane envers Porto Rico, envers les États-Unis, le Canada, la France, Folguéo, envers Haïti. Tout parce que Haïti fait partie du système international, c'est un membre des Nations Unies. C'est comme ça que, non seulement il n'a pas respecté charte de l'Union par rapport à la question de l'égalité des droits des hommes et des femmes, question, il y a deux bagages qu'on ne pas respecter. Il n'a pas respecté deuxième élément de préambule charte des Nations Unies. La question pour pratiquer la tolérance. Pour vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage. C'est ça préambule chaque Nations Unies. Tout l'État supposé pratiquer la tolérance, supposé faire tout ça possible pour vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage. Il dit comme ça que faut faire tout ça capable faire pour unifier pour capable aimer la paix et sécurité internationale. Ça la République dominicaine a fait là, il pas fait dans le sens de la paix, il pas fait dans le de la sécurité internationale, pas oublier, bon, nous allons venir sur ça après si nous guettons, donc c'est pour ça que nous avons saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui c'est le gendarme du monde, qui c'est le responsable du maintien de la sécurité internationale. Est-ce que vous pensez que nous allons arriver là et nous allons peut-être être sur l'accélérateur dans la mesure où. Faut nous arriver là parce que tout simplement, faut nous voir que République dominicaine parle en posture, non parle en posture ni de médiation ni d'arbitrage. Même chaque Nations Unies en dit ou très bien, très clairement que avant que vous faites tout ça ou bien pour faire, avant non seulement il interdit mais menace chaque Nations Unies. Interdit que yon État fait menace sur yon l'autre État. Il interdit tout pour recourir à la force avant toute autre chose. Il faut passer par la médiation, il faut passer par la discussion, la médiation, l'arbitrage, des enquêtes, et puis il faut de recours même avec des instances internationales, beaucoup plus extra-étatiques, il faut recours avec des instances nationales, par exemple au secrétaire général, par exemple au conseil de sécurité. Parce que l'un État n'a un rapport avec l'autre État du point de vue du droit international, l'est que ou pas. C'est République dominicaine, contrairement avec ça. Et en pile, on a dit, c'est République dominicaine qui brûlait en pile étape. Il passe sous négocier, il passe sous arbitrage, il passe sous médiation. Parce que même pour l'arbitrage, en tant que technique, en tout cas, moyen pas extrajudiciaire de résolution des conflits, pour les deux parties, voulaient faire arbitrage. Non. Mais j'ai République dominicaine qui en fait là, ils n'ont pas qu'à faire arbitrage parce qu'ils n'ont pas accepté. Fait arbitrage. Faut ouais que République dominicaine campait sous gros poignettes. Or, République dominicaine vont posture de voyou, dont état voyou. Yon état voyou qui pavlait poubelle en bas droit international public quant aux relations avec cet état-là. Non seulement le parcours belle en termes de droit international public, les parcours belle sous l'égide de droit international privé. Imaginons que deux mondes privés qui t'aient acheté de billets d'avion, qui t'aient investi comme bio, ou bien de entreprises en Haïti, café de commerce, laissent violer droit privé, mon zayo. On doit fondamental, ou ça me résonne, leur fermer unilatéralement. D'ailleurs, le droit international, pas permettre, ou pas en situation de guerre avec un pays. D'ailleurs, par rapport au droit international, si vous êtes en situation de guerre, pour vraiment
déclaration de guerre. Faut qu'on déclaration de guerre. Yon militaire dominicain qui vide bal son agent Bessap. Et puis agent Bessap la kampap gade, monsieur Seri la pri. Et puis monsieur ouais bal yon a fait du feu. Et puis agent kampap gade, on li pa pense. La société bagay yo grave. Jodi yon, an pil moun de kawa imaj sa, ki un peu partout. Yeah. C'est en bas, go 91 qui consomme. T'as fait la 2018 à nos joies qui construit. Qui fait que yo. Mais. Yo sont son autre. N'dakwa le vin sous sa avo. Yo sont son autre. C'est pas ça. Donc. Après un jour d'étranger, à des progrès, elle dit pas qu'elle fait ça, yo boy. Nous la bané. On a acheté ze nan mé yo, 50 millions. Je veux dire. Plus que ça. Bien. Et bien. Déjà. Bonjour amis, m'a pas laissé les messages Julien qui dit et pas d'que n'a pas soulevé. Je là a dit trop euphorique et moi donne taper c'est pour le mec du pays à résoudre. Y'a cap grappiller espace agricole. Et c'est pas ça seulement comme problème. Et les routes agricoles. Donc ça veut dire que et insécurité. Je dis à la Tibonite qui ça empêche mon nerf. C'est gang qui empêche yo. Et donc moi pense que problème zan mi imposé sous Grissier, hein? Pas seulement Grissier. C'est-à-dire, magistrat a début de fin baïté. Ouais. Il va là pour un pilote zone. Donc, ça dit que, pas n'y a aucune réflexion qu'a faite sous question. Oui, parce qu'il y a une capacité, ça. Il y a upload l'autre bois, okay. La régie, et puis demain, si Dieu veut, nous sommes capables de bouer la gueule. Oui, parce que vraiment, c'est mal passé. Moi, je n'ai pas besoin de venir. On n'a pas besoin de venir. Technologie a offert ça. Comme possibilité, on comprend parce que. Encore et dire mille d'après les permettre qu'on élabore sur les questions insécurité à bandit qui prend insécurité à bandit qui prend un paquet de zones qui eux même qu'on fait manger quoi ils sont obligés à courir le problème encore c'est une équipe monde qui peut-être te gagne business en Haïti. Toujours des locaux.
capitale am sot am ba ayus dit que jodi a yon nan pi gros problème que n'a fait face c'est insécurité. Un contrôle toute zone net, toute bâti bonite, contrôlé totalement par des gangs. Ouais. Dans zone Liancourt, dans zone Verrette, dans zone Tirivière, c'est des zones que je visite 2 ans de cela, okay. Et moi, ouais, qui potentiel que j'ai gagné. Donc, et c'est ça qui montre que l'État haïtien, hein, son l'État qui pas, m'da dit, qui pas jamais intéressé à vrai problème, yo. Je dis à la, Fomta, ouais, gagné un gros rencontre qu'a fait ce que ça a gagné. Pour nous dire, n'a pas disposition. Femta ou ministre agriculture, femta ou sécurité publique, parce que comment capable vle pour moun nan pays a produit les conditions yon va réunir? Parce que entrepreneur kase domen nan yon guerrier, yon pa ale parce que yon va arrêter Haïti, yon ale parce que yon pa ka vi évoluer là-dedans. Parce que le pays est invivable. Alors que c'est, nous supposons à partir réinvestissement, c'est seulement qu'à quitter pays avec situation ça. Guerrier sous ta fonte inventaire, pour yon 5 jours passés, ils font pareil. Même gens, ils sont sur une note là, et puis comme note là, bien écrit, ils sont satisfaits de ça, et puis, bah, la voile passe comme ça. Oui. Alors que, je dis, il faut garder clairement, pour nous faire une réunion rapide, guerrier, avec les grandes associations de producteurs, qui ça a problème, nan, qui besoin, qui plus pressant. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est équipement? Est-ce que c'est semences, sécurité, route? Qui ça en a fait? Industriel dans le pays, ya, qui dans différents domaines, alimentaires et autres. Qui a accompagnement que nous avons besoin pour nous capables de produire? Parce que, pas de monde guerrier qui a pire mais importé si qu'il a acheté sur place. Oui. Donc au final, c'est parce qu'on n'a pas créé conditions. Donc l'État, il s'est jamais dit, ils sont l'État importateur qui remet ça. Qui remet ça. Et faut que nous revenions dans l'autre cadre pour nous créer une autre qualité, l'État, avec de l'autre politique économique. A exiger au quantité l'argent ou bien à courir. Je suis là, je crois que l'ambassade américaine a été pillée. Donc tout ça, oui, tout ça, c'est des gros défis. Donc si le problème de sécurité n'est pas résolu, même là, je dis, pendant que nous avons battu l'estomac, nous, et bah là, et puis pour nous, on dit que Mounsayo, qui est République Dominicaine, a dit qu'il y a vu dans le pays, comment? Il y a peur de retourner là encore. Donc, quand tu es étudiant, qui a étudié l'autre bois, si tu as dit qu'il y a venu, quand tu as recevoir, est-ce qu'elle n'est pas réelle pour yo? Entrepreneur ça yo qui ont même été obligés de courir et quitter pour bandit. Le problème bandit est toujours là. Ouais. Des familles qui. Là. Et c'est ça qui wall. Wall. Bah, moun manger dans sachet. J'ai vraiment fait ici. Ministère, ça fait social, ça perd du temps. L'État a un wall tout pour créer travail. L'État a un wall pour créer conditions. Créer environnement. Créer environnement pour que des gens qui ont investi, ils ont même pris le travail. Et c'est le job là, ça. Il va pas de rien. Ou là, pendant le temps, créer conditions pour. Créer conditions pour business qui a évolué. Pardon. C'est sécurité. C'est stabilité. C'est route. Avec yon l'État. À travers organio qui a facilité au que ce soit douane, DGI, EDH, etc. Pas plus, pas moins. Il va demander aux personnes moun voue moun dans la lune en Haïti. Nous allons créer conditions minimales. Et malheureusement, l'État haïtien dirigé par des moun qui généralement pas ouais intérêt population historiquement. Et qui vient faire que même l'entendre dans discours yo, yo pour peuple là. Mais dans la pratique, il y a un peuple là. Et puis, il y a une fois mal à la Tibonite, nous déposons un discours comme ça. Mais le dirigeant a toujours dit pour la production nationale. Mais l'action, particulièrement sur des questions tarifs, il a toujours montré qu'il préféré produire importé par rapport à gens qui ont mis les douanes. Oui. Parce que de pour mettre les tarifs sur produits importés à bas, c'est parce qu'on a besoin d'encourager l'importation au détriment de production. Mais dans le discours,
tout le monde pour production nationale. Oui, oui, oui. Mais dans pratique là, moun pa gen courage pour mettre tarif sur produit dominicain, hein, produit américain, hein, produit chinois, hein, pour que ça Haïti a capable dans position compétitive. Et c'est ça justement que nous en pile nous pas fait comme différence et c'est wall pa pour nous éduquer, pour nous vriger, pour des moun yo comprendre justement qui ça qui vraiment important et qui ça qui moins important. Mais aussi qui j'en capable mesurer et juger si là au cap diriger qui pas jamais prendre